un moment de méditation est un moment où tu ne veux rien. Tu n'attends rien. Tu ne demandes absolument rien. Tu es là, présent, avec tout ce qui se joue. Tu ne réagis pas avec ce qui se passe. Tu acceptes de voir ce qui est en train de se jouer sans rien faire pour arrêter ce qui se joue. Tu es là, présent. Cette présence n'est pas le penseur. Le penseur, à ce moment-là, est atténué. Le penseur est transformé en observateur. Et il voit les choses comme elles sont. Il est témoin de la scène. Il n'y a pas la pensée qui vient pour faire en sorte que la scène soit différente. Il est là, dans cette quiétude où la perception est au-delà de tout ce qui est connu, de toute la rivalité que crée la pensée, de toute la division que la pensée met en place. Il n'y a plus la comparaison, la critique, il y a un silence. Le silence qu'il y a quand le penseur cesse de penser et qu'il se transforme en témoin et juste accepte ce qui se joue. Dans cette acceptation, il y a une vision qui dépasse tout entendement. Cette vision, elle crée l'ordre. Tout ce qui a été rendu incongru par ce que la pensée a produit cesse d'être pour être dans l'harmonie, dans la quiétude, où rien ne se fait, où rien n'est divisé. Et quand il n'y a plus de division, il n'y a plus de rivalité. Donc je reste là, présent, avec ce silence. Et ce silence, c'est le nécessaire pour que la vision soit rendue claire. Quand les pensées sont absentes, la vision est au-delà de ce qui est acceptable, de ce que la norme a produit, de ce que le conditionnement demande. À ce moment-là, le conditionnement s'efface. Le programme n'est plus dans l'action. Le programme de tout ce qui doit être et qui devrait être. L'esprit est libre de tout cela. Et cette liberté rend joyeux. Il y a une joie. Parce que il n'y a plus rien à faire pour faire en sorte que les choses puissent être contrôlées par un penseur qui veut arranger ce qui se joue, pour que ce qui se joue soit au goût du penseur qui pense.
Il n'y a rien qui est important à ce moment-là. Tu es là, présent. Et dans cette présence, il y a l'ordre. Tout ce qu'il fallait faire pour arranger n'a plus son sens. Tu es libre de toute l'activité que la pensée projette. Parce que tu n'es pas identifié au penseur. Tu es la liberté, la joie, la paix, et tu es celui qui touche le sacré, c'est-à-dire au-delà de tout ce qui est connu, il y a ce qui est sacré, l'inconnu. C'est à ce moment-là qu'il se révèle à toi, parce que la perception, elle est au-delà de tout ce que on a appris, de tout ce qui a été engrangé, de tout ce qui a été amassé. Parce que ce qui est amassé se réitère dans la volonté du penseur qui veut faire exister le passé pour ne pas m'oublier. Un penseur ne doit pas mourir selon la pensée. Il doit toujours penser. Alors que quand il n'y a pas le penseur, mais il y a la paix. Cette paix, on peut la trouver. Mais le penseur doit accepter de prendre sa place, juste pour être celui qui fait fonctionner la vie dans un monde matériel, voir se nourrir, manger, aller ici ou là, faire des choses. On a besoin de cette pensée. Le penseur doit être un bon penseur. Mais le penseur qui veut arranger ce qui se joue pour que tout soit à son goût, est un penseur qui détruit la quiétude.